Et bonjour à tous, c'est Bernard et bienvenue sur ce nouvel épisode de Dishonored. Voilà, où j'ai réglé mes petits problèmes de raccourci et on va continuer donc notre aventure. Là, j'ai une rue qui est à 31, mais je sais pas trop par où aller la chercher. Donc, bon, on verra après, on verra ça au fur et à mesure. Ah, carrément des saisons, super. Remède, oui. Plan médicinal, c'est bon. Donc on prend un petit peu tout ce qu'il y a à prendre au fur et à mesure. Hein. C'est quoi ça? Une porte pour... Ah, non, porte de la distrie. Oui, bon, ça on s'en fout pour l'instant. On va surtout aller voir le docteur machin. Voilà, bon, celle-ci, visiblement, elle est là-bas dessous. Peut-être sous terre, je ne sais pas. Cabinet du docteur Galvani. Ouais. Balle. Ouais, ramasser. Donc j'ai un charme d'os qui est là-bas dedans. Et j'ai l'impression que c'est plutôt par là. Carreau d'arbalète, carreau anesthésiant. Lâchez-moi. Venez là. Voilà, carreau anesthésiant, c'est fait. Quelqu'un? Non, il n'y a personne. Au secours! Hé! Hey. Merde. Au secours! Comment je fais pour casser là? Hé! Hey. Voilà. Je vous revaudrai ça. Votre visage, je veux pas le voir. Après un truc pareil, moi aussi, je me cacherai la figure. Vous savez quoi? Je vais vous remercier tout de suite. Passez à ma boutique. Chez Griff, ça s'appelle. Enfin, ça s'appelait. La ville est en train de crever. Alors moi, je récupère des trucs à droite et à gauche. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je peux vous l'échanger contre un peu d'argent. Un jour, peut-être, la peste disparaîtra et tout redeviendra comme avant. En attendant, je fais les poubelles. Cool. Bon, pour l'instant, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de manger. Elle est où là? Putain, là-haut. J'ai rien pour monter là. Ah si. Ok. C'est quoi ça? Étude géologique. Je ramasse, hein. On s'en fout. Il n'y a rien d'autre. Non. Je suis venu par où, moi? Ah, par là. Ah, ah, je ne sais même pas par où je suis venu. Hop là. Des sous. Manger, non. Ça, c'est quoi? On va essayer de prendre pour faire du bruit. Non. Alors, portail foudroyant, cabinet de Dr. Granier. Donc, c'est là qu'il faut aller pour l'instant. Allez. Hop. Hop. Je suis où là? Je suis sur la poubelle. S'accroupir un peu. Ah, c'est là. C'est par là. Moi, je sais toujours pas comment on désactive ce portail là. Mais bon. Lui, il est là-bas. Ok.
Je vais peut-être attendre qu'il passe et je vais me le faire. J'ai pas eu le choix là, désolé. Je suis déjà lèche, mais j'ai pas eu le choix. Alors. Allez au cabinet, oui. Oui. Alors, ça, ok, c'est bon. Oh, d'accord. Porte blindée. Bon, je fais un peu du massacre quand même, hein. Moi qui voulais faire des choses discretos. Oui. Je trouve que... On va les mettre un peu dans l'ombre. Pas dans le passage. On va les empiler là. Voilà, empiler. On va essayer de ne pas faire de bruit. Il y a quand même pas mal de choses à lire. Je lis et je ramasse un peu tout ce que je vois. C'est quoi ça? Manger. Attendez, il y a un truc qu'il faut que je change. Il y a un truc qu'il faut que je change. Ouais. Ouais, ici. Je vais mettre ça. Et santé, on va mettre H pour health. Voilà. Ok. Ça roule. Alors, on va explorer déjà le bas et après, on fera le haut. On essaie d'être discret. Pain, on s'en fout. Pour l'instant, j'ai pas besoin de manger. Ok, bon, visiblement, je me suis occupé un petit peu de tout ce qu'il y avait à cet étage-là. Quartier de distillerie, non. Ah, c'est quoi là? Je l'ai vu ça? Non, je suis pas allé ici. Je ne suis pas venu ici. On va prendre ce qu'on peut prendre. Éviter la peste. D'accord.
Bon, maintenant je crois que j'ai regardé un petit peu partout. D'accord. Zut. On va monter à l'étage. Attends, tu as touché la poignée de porte du labo de Galvani? Ouais, c'est possible. Par le vent vite, qu'est-ce que c'était? Merde. Où ils sont. Je ne sais pas où ils sont passés. Ok. Oh. Ah ouais, j'en ai plus que deux de carbonisé. D'accord. Ah si, deux de plus? Non. Trois exercices. Deux. D'accord. Munitions, il me reste combien? 10 cartouches ordinaires, 5 carreaux, 6 anesthésiens et 3. Ok. On va se remettre avec ça. Quoique. On va se remettre aux anesthésiens. Allez, c'est parti. Je sais pas du tout où ils sont. Et ça, je fais pas de bruit. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont montés peut-être? Un peu de bruit ça quand même, mais bon, c'est pas grave.
je suis resté dans le cabinet de machin. Ok. Bah, je crois que j'ai fait tout l'étage là. J'ai fait tout l'étage. Maintenant, il faut que je monte. Putain, je sais pas du tout où ils sont. Je pense qu'ils sont en haut. Hein. Je pense qu'ils sont en haut. Que vais-je faire maintenant? Ah, sale bestiole. Oups. Et l'autre, elle est où? Hein? Désolé. Oppressant comme comme quoi. Légèrement oppressant. Boire, non, j'ai pas trop envie. Je n'ai pas tellement envie. Voilà, je suis dans le laboratoire et je me rappelle plus ce qu'il faut que je prenne. Merde. Ah, il faut que je prenne un truc, je me rappelle plus quoi. Il faut que je prenne quelque chose. Fermé ici. Ok. Ça, c'est la porte d'entrée. Je suis dans le laboratoire. Putain, elle est où la fille? Où est-elle? Ça, c'est le même truc qu'on avait tout à l'heure. Manifestement, les rats infectés diffèrent des rats ordinaires, mais à quels égards? Leur taille, l'épaisseur de leur poil, par leur intelligence également.
La viscère d'Aurore, c'est là-bas. Comme les études zoologiques de Coriander ne recensent que le rat ordinaire, l'arrivée des porteurs de peste remonterait à 5 ou 7 ans au plus. Cela n'a rien d'un phénomène progressif. Ont-ils été introduits volontairement par une puissance étrangère? Peut-être. Je fais comment pour aller là-bas, moi? Oh, ça m'a l'air de bouger, ça, non? Ah. Ah. Ah oui, il y a les traces au sol. Voilà. Il n'y a rien d'autre à prendre ici. Bon, ça c'est fait. Levier utilisé. Ça va être refermé, sans doute. Oui. Bon, il n'y a plus qu'à se tirer, c'est ça? Par contre, je sais pas où est la fille. On va continuer à explorer ici. C'est quoi ça? Oui, c'est vrai que comme ils sont aussi sur les baleines. Ok. Bon, on va se tirer. On va y retrouver mamie chiffon. On va y retrouver mamie chiffon. Que je suis passé par là, mais je suis pas passé par ici. Bah, y a rien là. Où est-ce qu'elle est? Ah, il y a des trucs là. Spirale tranchante. Waouh! Oh, alors ça a l'air d'être cool. Hein. Bon bah allez, on va se tirer. Ah, elle est là. Il y en a encore un? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi j'ai un truc rouge? Monde là. Même que ce soit les rats. Non. T'as vu quelqu'un avec des symptômes? Merde. Hop. Hop, 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 hop. D'aller voir par là. Oh putain. Pourquoi? Toujours en moi. Merde. Quoi? Allez, cerclons-le! Fuis-le! Y'a, yeah, y'a, yeah, y'a. Yeah. Allez, allez. Roche. On va vous. Voilà.
Bon, bah toi au moins t'es inconscient. Bon, je suis un peu dans le massacre quand même, hein. Je sais pas, mais... Du coup, c'est quoi? C'est les mecs qui... Bah non, il y en a un là. Allez, ah, oui, allons-y. Ah bah, il faut que j'aille voir Mamie Chiffon maintenant. Alors, on va se faire comme ça, parce que là, je suis pas en pays ennemi, hein. Un pays ami, je veux dire. Et on va aller voir Mamie Chiffon qui se trouve là-bas et lui rapporter les viscères de rat, je crois. C'est ça, on va regarder ça. Note, éliminer le grand superviseur. Déjouer le deuxième porte. Le deuxième portail foudroyant. Trouver Mini. C'est pas encore fait. Tâche, indice de mission. Ouais, c'est ça. Il faut que j'aille apporter... Votre attention, citoyen de Dunwall. Veuillez contourner le passage aux véhicules motorisés et aux échassiers en service commandé. Ils ont ordre de ne pas ralentir ni s'arrêter pour éviter les citoyens sur la chemin. Mais oui. Tiens, bah allez. Manger, et puis on va se manger ça, comme ça on va se remettre à fond la vie. Allez, on va porter ça à Mamie Chiffon. Hop. Allez, où? Oh non, c'est pas joli, ça. Étais-tu occupé des petites brutes dont je t'avais parlé? Pour une fois que je te demande quelque chose. Sois prudent, Corvo. Mm-hmm. On l'appelle Mamie Chiffon. Son nom ne te dirait sûrement rien. Pas plus que le nom de sa famille. Mais un empereur l'a voulu pour femme, jadis. Et de jeunes fortunés se battaient pour avoir ses faveurs. Mm-hmm. Je l'ai vu les contempler tous, les évaluer, mais sans donner suite. Puis, elle a fait d'autres choix. D'accord. Tu pars affronter le grand superviseur, le chef d'un important culte voué à ma destruction. Que vas-tu faire, cher Corvo? Oust! Mamie a du travail. Je vais donner les machins ou pas? Allez, file! Bon, pour l'instant, je la laisse comme ça. Est-ce que j'ai toujours le truc? Ressources, rune 2, gadget. Ok, munitions. Il me faut encore une rune pour la possession. Ça déjà. Ah oui, les trucs assassines. Esquive rapide. Bon.
la laisser. Et on va les passer. Distillerie. Ah bah oui, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. On rentre dans une autre style. Ok. Donc on se fait hop, comme ça. Et ben puis moi je vous dis à bientôt les amis, et on va se retrouver ici à la distillerie pour aller foutre, je crois, le machin de rat là pour empoisonner le gang tranquillos. Oula, d'accord. J'aime les carreaux anesthésiens. Et donc, à bientôt, les amis. Ciao, ciao.